Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ok, rebonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, bonsoir. Mon commissaire a yolé, aïe-le, aïe-le. Mon commissaire m'a yolé, aïe-le, aïe-le. Et il mentait, il mentait, il mentait, aïe. Aïe, il mentait, aïe, aïe. Mon commissaire m'a yolé. Aïe, le oh, aïe, le oh. Martin Bangangele, le père de la police. Aïe, le oh. Il mentait, il mentait, il mentait, aïe. Aïe, il mentait, aïe, aïe. Martin Bangangele, le père de la police, aïe, oh, oh, aïe, oh. Oh, il mentait, il mentait, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Mon commissaire m'a yolé, aïe, aïe, il mentait, il mentait, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Mon commissaire m'a yolé, aïe, aïe, aïe. Martin Bangangele, le père de la police, aïe le oh. Il mentait, il mentait, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe. Mon commissaire m'a yolé. Aïe, aïe, Martin Bangangele, le père de la police. Aïe, aïe, ah, il mentait, il mentait, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Martin Bangangele, le père de la police. Aïe, aïe, ah, il mentait, il mentait, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Bonsoir tout le monde, c'est une fierté et une fierté renouvelée de savoir qu'on va devoir communiquer ensemble. Et quand je parle de communiquer, c'est ensemble partager des informations qui nous paraissent un peu très sensibles et de comprendre la situation évolutive de notre combat et de rassurer la multitude des combattants. Et de savoir que ce combat qui est finalement un combat où depuis plus de 2 ans, la plupart se sont engagés, se sacrifient pour ce combat. Je vais penser déjà à la multitude d'hommes et de femmes, même dans leur bureau, qui n'arrivent plus à se concentrer,
durant leur travail qui vont devoir soit s'écarter, se retirer pour aller suivre les directs de sensibilisation, pour aller écouter des directs, pour toujours être à l'affût de l'information de comment les choses se déroulent dans notre pays. Je peux comprendre le sacrifice de beaucoup. Je salue aussi beaucoup qui ont perdu leur travail. Là, j'avais le témoignage de deux dames qui ont dû perdre leur métier, leur emploi, parce qu'elles étaient tellement concentrées sur le combat pour le Cameroun. Vraiment, courage et force à vous. Nous ne saurions comment vous remercier. Nous ne saurions comment dire, exprimer le sens de votre sacrifice par rapport au combat de ce pays. Mais sachez que votre sacrifice ne restera pas en vain. C'est un sacrifice que vous aviez décidé de porter pour le bien de la nation camerounaise et pour les Camerounais. Et ça, nous vous sommes véritablement reconnaissants pour ce sacrifice. Et tous ceux qui se soucient chaque jour, qui déploient soit de manière financière, qui mettent de l'argent, qui se déploient spirituellement, intellectuellement, etc., pour faire avancer la cause, soyez salués. Et nous renouvelons notre soutien en votre endroit parce que c'est vous qui faites la force de ce combat. Ouais, je sais que d'habitude, quand je me prononce, c'est qu'il y a des informations qu'il faut véhiculer ou bien faire passer. Mais aujourd'hui, il s'agirait pour nous de comprendre exactement l'évolution, tant sur le plan continental et sur le plan sous-régional, de l'évolution de notre combat. Et de rassurer davantage. Je dirais tomber bien, j'ai envie de... Ok, ben, okay bonsoir. J'espère que... Ouais. Non, il y a d'autres qui ont été... Ouais. Je suis embrouillé parce que je lis les commentaires en même temps. Et ça me fait rire. Je ne suis pas là pour coach ce soir. En fait, il y a des choses qui me font. Fipanga, on va revenir sur Fipanga un autre jour. Laissons d'abord Fipanga. Vraiment, notre République, il y a des choses. Il y a vraiment des choses. Moi, c'est ma grand-mère qui nous parlait souvent Fipanga. Nous, on Fipanga. Elle nous disait, nous, on Fipanga. Moi, le Fipanga, c'est ma grand-mère. Quand elle vivait. Mais curieusement, notre ministre de la science, hein, ils ont créé le Fipangras. Là, le pays de Paul Biya. Bon, ne faites pas rire, c'est pas ça le truc. Sinon, je risque de rire. Ok. Donc, tout d'abord, c'est. Je vais architecturer ma conversation de ce soir sur trois éléments qui me paraît très important. Il y a d'abord une lecture sur le plan, sur la dimension continentale des évolutions des choses, sur le plan continental, parce que vous savez très bien, on ne pourrait décrypter ou lire la situation de nos pays sans toutefois avoir les données géopolitiques de la sous-région et même internationale, parce que c'est elle qui architecture notre vision des choses. Et vous savez très bien que la géopolitique internationale entre aujourd'hui comme un pilier même de notre combat. Donc, il y a des avancées symboliques. Et ça, je ne vais pas revenir dans l'histoire des humanités qui nous démontre finalement l'effet que ça peut avoir sur d'autres relations. Donc, il y a des événements qu'on ne peut pas simplifier. Il y a des événements qu'on ne peut pas négliger ou bien balayer d'un revers de la main. Mais il faut les questionner et faire une analyse prospective pour comprendre la situation évolutive de notre pays. Et d'ailleurs, c'est en train de prendre fond. Et le deuxième axe serait, bon, l'axe, justement, j'ai vu des artistes sortir, d'autres qui contredisent, qui disent qu'ils ne vont pas soutenir le peuple, parce que le peuple est ceci, d'autres qui essaient de justifier, et d'autres qui like, qui partagent cela. Donc, on va démontrer qu'ils sont véritablement dans une véritable contradiction, parce que le peuple ici, pour nous, est défini comme une entité, qui est la composition des groupes d'humains qui pensent défendre ce qui est juste et est légal pour nous, pour libérer le peuple. Et enfin, il est important donc de parler justement de cet homme providentiel qui est la nature a suscité pour
la nature a suscité pour la libération de notre pays. Le professeur Maurice Kamto, hier, où la plupart nous avons pu avoir ses photos sur la toile, il nous a livré sa fraîcheur et sa détermination devant la milice de M. Banga Ngele, le père de la police. Ok, quand on l'a dit, on peut faire un petit refrain pour que les gens puissent partager davantage. Mon commissaire Mayolé, mon commissaire Mayolé, il menteuse, il menteuse, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Martin Bangangele, le père de la police, aïe le oh, oh aïe le oh, oh. Il menteuse, il menteuse, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Mon commissaire Mayolé, aïe le oh, oh aïe le oh, oh. Martin Bangangele, le père de la police, il mentait, il mentait, il mentait, aïe, aïe, il mentait, aïe, aïe. Ok, c'est bon. Arrêtez de me troubler, je veux parler. Il faut qu'on se concentre, les voyous doivent commencer. Ah bon, tous les voyous sont là. Ok, déjà, nous avons suivi ensemble sur la toile un événement avec nos voisins les plus proches, le Nigeria. Et il y a beaucoup qui n'étaient pas très informés sur ce qui se passait au Nigeria. Et nous avions des informations par rapport au Nigeria parce que c'est depuis un certain temps. Vous savez, le Nigeria est un pays, certes, malgré qu'il est présenté aujourd'hui comme l'un des pays en Afrique qui, par sa croissance, démontre véritablement que son projet d'industrialisation est d'une Afrique, d'un pays de l'Afrique subsaharienne qui travaille sur son décollage. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut dire, c'est que le Nigeria, comme la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, il en existe des fragilités, des contradictions que beaucoup de ces leaders, malheureusement, n'arrivent pas à traiter et à travailler sur ce point. Parce que le Nigeria est tellement composé tel que vous aviez des barons de l'armée qui contrôlent véritablement des divisions, soit de la police, de l'armée, des forces spéciales, et qui imposent la loi, qui décident de comment ils sont, ils vont faire. Et aujourd'hui, les informations que nous avons, c'est l'un des pays aussi les plus corrompus, avec une administration qui devient de plus en plus discutoire et qui se verse aussi dans la corruption. Et ça a été, c'est véritablement un débat sur le plan interne avec les Nigériens qui estiment qu'ils sont très abusés comme population, que l'armée, la police, etc. ne jouent pas son rôle pour la préservation ou bien la protection des populations aussi des biens. Donc vous aviez dans les SAIS, qui est une force spéciale de la police nigérienne, qui a été créée dans le but d'éradiquer le grand banditisme et même le terrorisme, etc., qui était puissamment armé, mais qui, comme le BIR au Cameroun, imposait, parce qu'il faut aussi finalement faire cette similitude-là, ce parallélisme, c'est très important par après, qui imposait leurs lois au Nigeria, qui travaillaient, mais après, on pervertit leur travail. Ils étaient devenus des super-hommes auprès de la population, et on a recensé plusieurs fois, vous aviez des rapports des organisations internationales et même des rapports sur le plan interne qui étaient critiques vers la démarche et le comportement de ces forces spéciales qui laissaient à désirer la plupart. Donc vous aviez une certaine brutalité et violence qui était opérée sur les Nigériens. Alors la coupe d'eau qui a débordé, c'est que vous aviez un Nigérien qui a été abattu par cette force spéciale dans l'indifférence totale des autres tout autour. Et heureusement pour, malheureusement, ce Nigérien qui est tombé, qui est mort, vous aviez donc des citoyens qui ont pu relayer sur la toile cette violence et ce meurtre opéré contre ce Nigérien. Et nous avions vu une indignation collective du peuple nigérien. En fait, ce qui nous a touchés,
Ce n'est pas seulement une indignation sur le plan collectif populaire, mais nous avons vu les hommes de médias, des acteurs et même des artistes de la musique nigérienne qui se sont levés, dont la plupart nous aimons bien, nous écoutons bien, qui ont écouté directement la voix du peuple et s'est rangé du côté du peuple et s'est dit il faut accompagner le peuple dans sa contestation contre cette brigade spéciale qui aujourd'hui est taxée d'une brigade qui ne respecte pas le peuple nigérien. Donc, il décide de dire au gouvernement qu'il faut finalement arrêter avec cette brigade spéciale. On a donc vu des figures d'artistes. Vous les connaissez très bien, je ne vais pas citer la plupart ici. Les Davido, Burna Boy, Techno, les Wikis. Wikis même qui a fait de ça, et Davido qui, eux, ils ont fait de ça leur problème, les Tiwa Savoy, les Shijima, Mr. Easy, le fils même de Fela Kuti, Anitopola Kuti, la plupart des mondes de la musique, du sport, même du sport, vous avez vu, la plupart, ils se sont indignés, ils se sont rangés du côté du peuple. Et ce n'était pas seulement une indignation sur les réseaux sociaux, sur la toile, mais c'était une indignation où vous aviez certains qui sont descendus aller manifester. Il y avait le jeune Nas qui est ce jeune comédien que vous connaissez beaucoup plus, Nas, beaucoup qui sont descendus, les Shijima, les Tiwa Savai, qui sont descendus dans la rue pour manifester, les Flavor, Miesim, les Flavor, tous qui sont descendus dans la rue pour manifester aux côtés de ce peuple. C'était véritablement formidable. Mais aujourd'hui, vous avez une théorie qui veut nous expliquer, qui veut nous faire croire que c'est un complotiste contre l'État du Nigeria. Voilà donc la vision de ceux qui ont les manettes de la République du Nigeria, qui estiment qu'en réalité, ce soulèvement des artistes n'est qu'une vision complotiste d'un programme américain qui veut à tout prix déstabiliser le Nigeria. Mais écoutez, il va falloir trancher cette question de la déstabilisation de nos États par des puissances. Aussi vrai que dans cette rhétorique, je suis très d'accord qu'il y a une déstabilisation. Parce que lorsque nous estimons que nous avions du trésor, nous avons de la ressource, elle ne sera jamais à l'abri des convoitises. Parce que c'est aussi ça la vision du monde aujourd'hui. Les grandes puissances convoitent les richesses et les ressources que nous avions. Curieusement, nous sommes les seuls au monde, en tant qu'Africains, qui ne sont pas souvent conscients des richesses et des ressources que nous avions. C'est pour ça qu'on peut se comporter n'importe comment. Et nous avons des visions qui n'arrivent pas à s'inscrire dans une dynamique de restaurer notre souveraineté et de nous faire respecter. Donc, cette vision complotiste dont les gens veulent nous faire partager, veulent nous faire croire. Pour moi, aujourd'hui, je m'aimerais leur dire qu'il faut cesser avec de telles rhétoriques, il faut cesser avec de tels discours, parce que ça participe purement à la distraction du peuple africain. Il faut éduquer le peuple africain. Et pour l'éduquer, il faut questionner les vrais problèmes qui minent le peuple africain. Lorsqu'on a un État, nous devons avoir la capacité d'exister. C'est très important. Lorsque nous sommes un État, nous devons avoir la pleine capacité d'exister, ce que nous appelons la souveraineté. Or, la plupart de ceux qui gèrent nos contrées, nos pays, ne viennent pas assumer la souveraineté, sont positionnés à la tête de nos États dans le but d'encadrer le sentiment de désolation des populations pour l'intérêt des impérialistes. Or, pour un projet souverainiste et républicain, il est donc question, ayant la légitimité populaire, de s'attaquer aux questions de souveraineté pour encadrer le peuple. Et pour s'attaquer aux questions de souveraineté, il y a donc des contradictions internes et des fragilités sur lesquelles il faut travailler. Il faut se projeter pour que ce ne soient pas des fragilités qui remettront à mal ou en difficulté l'évolution de nos États. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Et moi, je suis de ceux qui pensent, quand on me dit tout le temps, oui, vous voulez déstabiliser le Cameroun, vous voulez déstabiliser le pays, quand vous le dites, je dis, écoutez-moi, il faut la fermer. Parce que moi, je fais partie de ceux qui, avant, dans les plateaux du dimanche, encourager ces rêveries-là et cette bêtise-là. Pour moi, aujourd'hui, j'estime que c'était une bêtisation du peuple africain. Il faut
dit, poser le vrai diagnostic. Comment vous êtes conscient que vous avez une fragilité interne? Au lieu de vous concentrer et que vous savez très bien que nous avions des prédateurs en face qui convoitent nos richesses. Le premier truc, premier axe, c'est sur le plan interne. Comment on s'organise pour être une force en tant que peuple, pour être unis, pour prendre la souveraineté comme socle sacré, afin que personne ne puisse nous attaquer. Mais vous vivez paisiblement, étant docile, avec de telles fragilités, et vous les encadrez même cette fragilité dans le but de vous maintenir au pouvoir. Et le jour que ça devient dangereux pour vous, vous dites oui, on veut instrumentaliser les fragilités internes pour nous diviser. Je pense que c'est injurieux. Le Nigeria que nous connaissons, moi j'ai eu le privilège et la chance de me retrouver au Nigeria pour une mission de travail quand je faisais encore, pour le cadre d'une chaîne comme consultant, je faisais la tournée souvent sous-régionale. Je me suis retrouvé dans la ville de Lagos, une très belle ville d'ailleurs. Mais quand vous allez dans le quartier de Ikeja, Ikeja en fait c'est le grand marché que vous aviez, etc. Et j'ai eu le privilège de loger dans un hôtel là-bas, pas très loin de ce quartier populaire, Ikeja, bon, ceux qui, les Nigériens connaîtront véritablement. C'est un quartier très chaud. À partir de 18h, vous n'aviez plus d'électricité. Tout le monde au Nigeria utilise un groupe électrogène. À partir de 18h, vous écoutez dans toutes les maisons le groupe électrogène en train de sonner. C'est comme ça que ça se passe au Nigeria. Ils n'ont véritablement pas de capacité sur le plan de l'énergie, hein, alors que le Nigeria a des cours d'eau. Le Nigeria a tellement de ressources, des richesses. Mais on n'arrive pas à produire de l'électricité au Nigeria. Ceux qui ont de l'électricité, c'est ceux qui ont de l'argent, qui sont souvent d'une certaine classe. Mais la plupart de la population, et quand je parle du groupe, ça veut dire que vous deviez acheter de l'essence chaque jour pour avoir de la lumière. D'autres dorment seulement avec des lampes. Au Nigeria, à Lagos, j'ai pas seulement fait Lagos, j'ai aussi fait Abuja. Il y a un Nigeria de misère et un Nigeria de riche. Donc c'est vraiment, le Nigeria, vous n'aviez pas de société, vous ne pouvez pas parler de classe moyenne au Nigeria. C'est difficile de parler de classe moyenne. Au Nigeria, vous êtes riche. Vous êtes franchement riche, à l'extrême même. Si vous êtes pauvre, vous êtes aussi pauvre à l'extrême. Au Nigeria, on ne peut pas parler de classe moyenne. Ils n'ont pas travaillé dans cette condition pour avoir. Donc, le Nigeria, vous aviez donc un corpuscule. Donc, vous avez toute une jeunesse qui vadrouille, qui sont en manque de l'emploi, et la plupart qui ont vraiment travaillé, qui ont le mind, qui ont vraiment été à l'école, dans des couloirs académiques, etc. Mais rien n'est proposé. C'est pour ça que le Nigeria, aujourd'hui, dans l'Afrique, on le dit, hein, c'est vrai, qui est constitué comme le laboratoire de l'escroquerie ou bien de la fémania dans le monde. Le référentiel, le Nigeria, aujourd'hui, soit tu fais la musique, soit tu deviens ce qu'on va appeler souvent, entre guillemets, les tcha-tcha, les gens qui font de l'escroquerie par Internet. Ça, c'est le Nigeria. Voilà comment ça forme les jeunes. Soit vous allez escroquer à l'intérieur par Internet, vous escroquez les gens et vous allez vous trouver. Et tous les Nigériens pensent que c'est normal, c'est ce qu'il faut vivre. Mais vous aviez une précarité généralisée au sein du Nigeria là-bas. Donc c'est des contradictions qui existent où M. Boeri vit tranquillement avec ces contradictions et n'a jamais travaillé pour qu'on améliore la condition des Nigériens. Et donc quand vous vivez avec une bombe à retardement, et le jour que ça, il y a un déclic, vous accusez une conspiration sur le plan international. Moi, je pense que c'est quand même réducteur et c'est injuste de penser ainsi. Et même s'il y a contradiction, parce que les forces, les puissances étrangères, pour qu'elles viennent interagir dans votre pays, elles vont toujours surfer sur les contradictions ou bien les fragilités internes. Donc, si vous voulez empêcher que les impérialistes ou bien les puissances étrangères viennent interagir dans votre politique, travaillez donc pour créer un champ d'épanouissement véritable des populations pour que les gens ne se sentent pas mal. Mais vous n'avez pas travaillé avec, vous n'avez rien fait, vous avez vécu en harmonie avec ces fragilités, ces contradictions, en oubliant que le peuple, même s'il ne parle pas, le jour où le peuple aura l'occasion, elle va manifester sa fureur. Et ce qui s'est passé, s'est produit au Nigeria. Et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au Nigeria, lorsque vous aviez réussi, lorsque
vous êtes, sur le plan sociétal, vous êtes une certaine image, ou bien vous avez une certaine statut, vous êtes respecté non seulement des hommes de Dieu, mais vous êtes respecté aussi des autorités. Donc, la plupart, la multitude des artistes que vous aviez, ce sont des artistes qui ont été reçus par le président Bori, qui causent très bien, qui le prennent comme un père, qui ont des gouverneurs, parce que c'est un État fédéral, qui ont des gouverneurs, ils s'entendent très bien, ils ont des amis politiques. Donc, ils pouvaient juste, au nom de leur amitié, se dire, nous n'allons pas accompagner le peuple dans cette démarche-là, parce que nous avions nos amitiés. Mais ce qui se passe, c'est que le peuple, étant non touché, parce que la brutalité de cette brigade spéciale ne date pas d'aujourd'hui. C'est bien documenté par avant, où on avait dit et expliqué, le président Bouhari avait les retours par rapport à la brutalité de ses forces spéciales, comment il se comportait envers les troupes. Mais négligence, personne ne parlait, personne ne disait rien. Donc, cet énième meurtre a suscité finalement l'indignation collective, où vous aviez des artistes qui se sont levés, ont dit qu'ils ne veulent plus, il faut accompagner le peuple, il faut dénoncer cela. Et le mouvement a pris. Le mouvement a pris. David n'a pas regardé qu'il est ami avec des gouverneurs. Il n'a pas regardé qu'il a une proximité avec la présidence. Wikis, Brian Boy, tous ces stars, ils n'ont pas regardé la proximité parce que la plupart sont accueillis. Ils se voient chaque année durant les éditions pour célébrer les stars de leur pays. Donc, ils voient, ils connaissent ces autorités-là. Mais ils n'ont pas pensé un seul instant qu'ils sont amis avec ces gens. Mais tout ce qu'ils ont dit, ils ont dit, ce que le peuple revendique, ce que le peuple est en train de dire, nous aussi, nous faisons partie de ce peuple. Nous devons marcher et accompagner ce peuple pour revendiquer ce qui est juste. Et c'est ce qui s'est fait. Et ce qui a continué. Et, contrairement à nos contrées, le Nigeria a su vendre ça destination Nigeria, au monde. Vous savez bien qu'en Afrique subsaharienne, la plupart de nos pays, les grands stars, ceux que vous vénérez ou bien vous saluez, lorsqu'ils décident de venir dans nos pays, soit en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique centrale, le Nigeria est beaucoup plus soigné. Les plus grands artistes américains, lorsqu'ils veulent effectuer un véritable déplacement, sont au Nigeria. Pourquoi ? Parce que non seulement aux États-Unis, vous avez des grands chanteurs comme les Migos, les Future Two, qui sont originaires du Nigeria, donc qui ont su vendre la destination du Nigeria, et que vous avez des artistes nigériens qui ont su vendre ce qu'ils proposaient comme produit aux Américains. C'est pour ça que les Américains n'ont pas de problème à faire un featuring. Les artistes américains n'ont pas de problème de faire un featuring avec les artistes nigériens. Et le seul fait que ces artistes ont relayé cette information, ont relayé sur la toile, ça a suscité non seulement l'indignation sur le plan national, mais sur le plan international. Les hommes politiques aux États-Unis, en Angleterre, les chanteurs, je ne veux pas citer les noms, vous les connaissez. Le monde de la musique, des footballeurs, tout le monde. Vous aviez même en Afrique certains rentaplats musiciens qui ont soutenu le mouvement du peuple nigérian, en ignorant même les leurs. En ignorant les leurs. Ils ont soutenu. Mais je tiens à vous rappeler que ces artistes pouvaient se dire, comme j'ai ma proximité avec Bouhari, je ne veux pas, il ne faut pas, ce sera... Ils n'ont pas regardé ça. Banabo n'a pas regardé ça. Que j'ai une certaine proximité avec la présidence. Wikis n'a pas regardé ça. Tu vas savoir, Don Jay-Z. Les Simi. Tous, ils n'ont pas regardé à cette proximité, les Fievaux. Ils ont ignoré la proximité. Ils se sont dit, nous sommes d'abord les êtres humains. Le peuple, véritable entité. Mais nous nous identifions dans ce peuple. Ce peuple ne peut pas crier, ne peut pas pleurer. Et nous restons indifférents face à leur cri. Ils ont donc commencé le mouvement Hand Size. Ils ont lancé le mouvement Hand Size.
On a vu les hashtags être partagés partout dans le monde. Les Rihanna se sont indignés. Beaucoup se sont indignés. Ils ont vendu cette situation. Ça a commencé à mettre en difficulté Boiri. Parce que je tiens à vous rappeler, après cette indignation, le président Boiri a signé un décret pour stopper, en fait, a signé un décret pour, quel est le terme juridique utilisé? Bon, je vais utiliser, c'est pas le terme juridique que je voulais. Il a stoppé les activités, il a arrêté l'activité de cette brigade spéciale après cette indignation. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les Nigériens ne se sont pas attardés seulement à ce décret. Parce qu'ils estiment qu'il ne s'agit pas juste d'un décret parce que le peuple est sorti. C'est la faillite gouvernementale qui amène les Nigériens à être comme ça, qui crée cette injustice au sein de cette société. Et qu'est-ce qui se passe? Les Nigériens décident donc. En tout cas, c'est même l'heure de demander une justice sociale pour tous les Nigériens. Aujourd'hui, on est passé de Hen Sass à Boiri Moscow. Et les artistes assument ça. Davido a mis dans son Insta. Il a mis un Insta. Venez-le. Boiri Moscow. Et tous sont reliés. Ils sont dans ce combat. Leur combat maintenant, c'est de faire tomber le régime. Parce qu'ils estiment que le régime est responsable de toute cette situation. Parce que l'État est gangréné par la corruption. Boiri n'a jamais mis une politique véritable pour le peuple nigérien. Donc c'est juste de demander son départ. La plupart d'entre vous, allez même ceux qui m'écoutent, vous allez vous poser des questions. Que pourquoi j'insiste? Il est important pour moi de poser le contexte nigérien et vous expliquer pourquoi le contexte nigérien est bénéfique, non seulement pour le Cameroun, parce que c'est très bénéfique pour le Cameroun. Attendez, je bloque. Oh là là, les bloqueurs ne sont pas là. Il y a des commentaires qu'on ne veut pas. Il y a des commentaires qu'on voit là, ça donne des démangeais. Il faut vite bloquer. On ne discute pas. Mais pourquoi parler du contexte nigérien? Et pourquoi on doit encourager ça et soutenir? Il est non seulement agréable pour, sur le plan continental, mais pour le cas du Cameroun, il est très intéressant. On va vous expliquer. C'est pour ça qu'il faut soutenir. Et certains conspiratistes disent que c'est un grand danger. Et dernièrement, à Yaoundé, il y a une réunion entre les hauts gradés, les hauts responsables de l'armée nigérienne et le ministère de la Défense au Cameroun. Récemment. Il y a une réunion en urgence entre les hauts gradés nigériens et le ministère de la Défense du Cameroun. Tandis qu'ils sont dans la crise, il y a une réunion. C'est pour ça que si tu méprises ou bien tu refuses
de comprendre ce qui se passe au Nigeria. Tu sais que tu n'as rien compris. Parce que le Nigeria va nous servir d'exemple. Ça a commencé. Hein. Moi, j'aime souvent dire, et c'est Ayudjo qui le disait, les événements vous feront adhérer au parti. Moi, je ne pas. Il y a des événements qui vous feront rejoindre le combat. J'ai vu des artistes. Les artistes qui disaient, je suis en politique. Les artistes, les partis qui font le show. Il est même venu aussi. On allait faire le boycott. Pour son truc. Le les gars chantent, mais l'artiste l'a dit. Hand crisis anglophone. Hey, c'est Wanoué. Oh. Nous, on était dehors. On dit, il n'y a pas. Le gars était dedans. Siwanoué. Mais les événements l'ont amené à taper un poste. Hand crisis anglophones. Si c'est ce que le Nigeria peut faire, il faut saluer. Il y a un autre, un père. Le gars, un père, comme David lui avait dit, qui va rencontrer les autorités, va discuter avec eux. Un père aussi a fait un poste. C'est trop. Je vais discuter avec les autorités. Mon équipe et moi, on s'organise. Nous allons discuter avec les autorités. Peut-être que tu ne connais pas les autorités au Cameroun. On va te fouetter. Tu ne connais pas les gars là. Le gars de Hemper, vite fait, lui aussi fait un poste. Donc il s'est rappelé subitement, comme Abamena et Aboya. Il dit, je vais aller rencontrer les autorités avec mon équipe. On va aller rencontrer les autorités. Ils vont te taper. Tu ne connais pas les mécréants là. Tu ne connais pas les mécréants là. Ok, va. Va, tu viens nous dire. C'est pour ça qu'il faut saluer les gens comme Richard Mouna, Valseo, les One Love, Shalom Tipanda, Karès Fosso, tous les artistes du changement. Il faut saluer, il faut les encourager. Qui ont dit, c'est quoi ça, ces bêtises-là? Ils sont là depuis le commencement. Nous, on est derrière le peuple. Les gens se sont subitement rappelés que le Cameroun vit une crise. Curieusement. Alors que depuis, on mouille le maillot. Mais pourquoi la question du Nigeria va nous intéresser? Longue, merci mon frère radical. Faut saluer. Je tiens à vous rappeler sur les accords secrets composés entre les sécessionnistes. Hein, les pères même, hein, indépendantistes de les pères, hein, les fondateurs même du sécessionnisme avaient un deal avec l'État du Nigeria. Ils avaient toujours dit qu'ils ne donneront jamais leur zone comme base arrière à ceux des combattants du Delta, hein, du Biafra, pour qu'on puisse déstabiliser le Nigeria. Donc, ils avaient aidé l'État du Nigeria dans ce sens-là, qu'ils ne permettront jamais que ce soit une base arrière à ceux du Delta. En tout cas, il s'est désolé de cette vision. Donc, il y avait donc des accords secrets entre l'État du Nigeria et les pères, les fondateurs même de la logique amazonienne. Qu'il ne fallait jamais de trahison. Et c'est ces accords secrets, au nom de ces accords, même si pour moi j'estime que Ayub Tabe a été mal conseillé, il s'est très mal précipité parce que le Nigeria est gangréné par la corruption. C'est au nom de ces accords que Ayub Tabe décide d'aller faire une conférence au Nigeria pour expliquer la quintessence de leur combat en tant qu'Ambazonie. Mais lorsqu'il le fait,
il y a un rapprochement. Il est rassuré par les hauts gradés de la République, des ministères, la plupart de la majorité. Boiry, qu'est-ce qu'il fait? Boiry, connaissant ce qui se passe, il brise le pacte secret. Il utilise la France. Parce que les gens viennent me dire que c'est un panafricain, je suis désolé. Bien, utilise donc la France. La France, premier client du Nigeria, au nom des accords économiques qui garantissent entre le Nigeria et la France, on instrumentalise, on part, on envoie, bien utilise la France, parce que bien ne répond qu'aux aspirations de la France, ça il faut bien le préciser. Quand on l'a dit, on n'invente rien. Bien adore la France, aime la France. Je suis désolé, il faut qu'on le dise. La France, donc, voulant bloquer dans le processus de la cause anglophone, parce qu'il s'agirait de mettre en difficulté les ressources pétrolifères qu'on retrouve dans cette zone-là. Il faut donc demander au Nigeria de bloquer pour que le Nigeria ne se constitue pas comme base arrière aux sécessionnistes. C'est pour ça que la guerre des Ambazouniens prend plus de temps. Un peu, vous avez un armement rudimentaire, c'est parce que dans le fond, les Ambazouniens n'ont pas de base pour lancer le mouvement. Donc, les Ambazouniens, quand Aliou Tabe décide de descendre, il a les garanties des hauts gradés qui estiment que si tu viens faire ce congrès, cette conférence, il n'y a pas de souci. La sécurité sera garantie. Nous allons protéger. Mais qu'est-ce qui se passe? Les services de renseignement camerounais ayant l'information qu'il y a une conférence internationale sur la crise anglophone qui se fera au Nigeria, on prend la France, la diplomatie française se met au travail et la diplomatie camerounaise, on convainc Boiry. On le rassure dans un deal mafieux où on lui demande de liquider tranquillement Aliou Tabe. On lui donne toutes les garanties. C'est pour ça que ce monsieur a fait le tour au Cameroun. Paul Biya même allait au Niger, alors que Paul Biya qui n'aimait pas souvent se déplacer, aller tranquillement. Parce que quand il s'agit pour la conservation du pouvoir de ce fantôme, quand il s'agit de son pouvoir, il est prêt à devenir jeune garçon pour se balader, pour avoir la protection de son pouvoir. Il se déplace au nom des deals, il concorde des deals. Alors ce qui ressort de là, il faut corrompre dans la plupart des généraux qui sont des corrompus. On verse de l'argent. Vous auriez un jour ces documents. Bien, vous auriez bien documenté ce qui s'est passé au Nigeria. L'histoire, retenez ça. L'histoire vous dira. Parce que ce que nous on vous dit révèle essentiellement des services secrets qui nous ont balancé ces informations. Alors, puisque la classe politique nigérienne et même l'armée est corrompue, on déploie donc des sommes d'argent. On demande à plusieurs de liquider Aliou Tabe. Aliou Tabe, lorsqu'il vient tranquillement, on le rassure, sortant des États-Unis, il n'y a pas déjà avec toute son équipe. Les gars avaient déjà pris de l'argent organisé par la France et par Yaoundé, etc. Boiry, un ponce Pilate, celui-là, tranquillement assis, décide et ordonne qu'il faut l'arrestation de cet individu. Mais il dit à Paul Biya, la seule condition, préserver son intégrité physique. C'est la recommandation qu'il demande, qu'il dit à Paul Biya, faites tout, mais préservez son intégrité physique. Parce que dans cette télé, les États-Unis n'étaient pas très d'accord et n'ont jamais été d'accord par le comportement de Boiry. Mais Boiry, estimant, parce que Boiry estimant par rapport au chantage des États-Unis, parce que lui, il avait demandé une aide militaire aux États-Unis dans le but de combattre la guerre contre Boko Haram. Les États-Unis ont dit, en vertu des informations qui nous remontent, vous êtes un État corrompu. Et on ne sait pas comment ça se passe là-bas. Nous ne pouvons pas donc vous aider en armement parce que nous ne savons pas comment ça se fonctionne là-bas. Donc la plupart des généraux sont corrompus et les questions de droits de l'homme qui nous remontent font en sorte que les États-Unis ne peuvent pas vous aider sur le plan des armements. Et dans ce petit rififi, la France accepte le deal alors que la France vous explique que sur le plan anthropologique, c'est un pays de droits de l'homme, c'est n'importe quoi. Je suis désolé de le dire. Quand il s'agit de ses intérêts, ça s'en fiche pas mal. Elle écrase les questions de droits de l'homme. Et ce qui se passe donc dans ce deal, Boiry, estimant que des nouveaux accords s'ouvrent à lui
et que c'est un nouveau partenariat qui redéfinit avec la France, qui va pouvoir l'aider sur le plan de la diplomatie internationale pour qu'il ait une certaine assise. Il va falloir aider l'enfant de la France, qu'est le Cameroun, avec Paul Biya à la tête. Voilà comment on liquide Aliou Tabé. Mais il insiste, parce que Aliou Tabé devait être éliminé. Au nom de la loi antiterroriste, on devait les éliminer, parce que c'est ça qui était demandé par la plupart des caciques autour de Paul Biya. Paul Biya, l'élimination physique. Mais dans cette négociation, Boris insiste et exige qu'il ne faudrait pas le liquider, qu'il ne faudrait pas le tuer. Donc on doit protéger son intégrité physique. Le jour de la conférence, Aliou Tabé descend tranquillement, ayant la garantie, la plupart des généraux, ils décident donc de faire tranquillement, les gars organisent, on l'arrête. Mais Aliou Tabé dit, t'es mal, mais qu'est-ce qui se passe? Il essaie d'appeler les téléphones, parce que dans les opérations du Ponce Pilatisme, écoutez, c'est lui qui vous rassure, lorsqu'il sent que vous êtes en difficulté, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme tranquillement son téléphone, bien il met votre numéro dans la liste noire. Aliou Tabé se rend compte finalement que les dieux sont tombés sur terre, que sa vie a basculé. Il est victime d'une traîtrise et d'un deal entre l'État du Cameroun, la France et le Niger. Il est liquidé. Ça a énervé les Amazoniens, nos frères anglophones. Les Américains étaient tellement énervés par rapport à cette situation, parce que c'est un compatriote américain qui sont indignés. Et Boiry Boulon, pour calmer, bien, il dit non, c'est la justice. J'ai dit à Biya que il garde son intégrité physique, qu'on l'entretienne. Donc on doit, c'est pour ça que Aliou Tabé n'est pas maltraité ou bien n'est pas souvent trop torturé là-bas. Il est très à l'aise parce qu'il y avait des garanties derrière. Mais vous savez très bien que pour plus tard, vous aviez l'Assemblée nationale nigérienne qui avait demandé, qui ont pondu un test au président de la République, lui questionnant sur la question d'Aliou Tabé, qui ne sont pas d'accord du fait que le Niger ait liquidé un combattant de la liberté à M. Paul Biya. Parce que les informations et les dossiers qu'ils ont sur la situation du Cameroun, vraiment, c'est déplorable. On ne peut plus continuer dans cet état. Et Barry, aujourd'hui, se sentant lâché par la plupart de ses pairs, qui estiment que c'était une trahison pour ce peuple-là, et qu'aujourd'hui, sur le plan national qu'international, on démontre de plus en plus la misérable condition des Camerounais avec le régime de Paul Biya, qui ne veut pas que les expressions des libertés puissent se faire. Et le Nigeria aujourd'hui subit plus de 500 Camerounais, 500 000 Camerounais qui vivent dans le sol nigérien et qui n'arrivent pas à manger à cause de la mauvaise politique et la mauvaise gouvernance de Paul Biya. Donc ça commence à mettre donc en difficulté et les choses n'avancent pas parce que dans cette garantie-là, Biya avait rassuré Boiry que la vérité devait éclater et que les choses devaient s'organiser pour pacifier, qu'ils n'étaient pas dans l'optique de le condamner ou bien de le tuer, que les choses devaient être clarifiées et ils allaient arranger cette situation. Boiry, donc, étant donc coincé par la pression sur le plan interne, parce qu'il y a un lobby d'hommes, non seulement d'affaires, mais des élus, qui ont estimé que c'était une trahison à l'encontre de ce peuple qui veut son autodétermination. Parce que le rapport qu'ils avaient est tel que on ne laisse pas ce peuple s'exprimer. Ce peuple est marginalisé. On ne peut pas donc accepter à M. Paul Biya de continuer dans cet état. Et ils ont vu donc la mouvance populaire du peuple camerounais, non seulement sur la question anglophone, mais il y a des questions électorales au Cameroun qui finalement sont bloquées. Vous avez quelqu'un qui, sur hop-dop, organise les coups d'état électoraux pour se maintenir au pouvoir. Et ça, ça a été un débat véritable. Ça n'enchante pas. Donc, le fait donc de laisser que le peuple, ou bien d'encourager la démarche du peuple nigérien, c'est que derrière, il y aura une véritable solution. Parce que les Nigériens, dans leur vœu de contestation, estiment qu'il faut, à la tête de ce pays, changer le leadership. Et je tiens à vous rappeler, vous aviez un monsieur, Manzi Wankadu. C'était un Biafré, un homme religieux qui fait très des prêches. Quand vous écoutez ce monsieur, et il est très respecté par la communauté biafraise au Cameroun, lui, il a une rhétorique. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'enlevez pas ça. Il explique chaque jour aux Nigériens, aux Biafrais, que le Boiry que vous voyez là, c'est pas Boiry. Vous savez qu'on a ce problème partout dans nos états. Il dit que le Boiry que vous voyez là, Boiry, c'est pas lui, que Boiry est mort depuis. Et il est écouté par plusieurs. Il y a des millions de Nigériens qui l'écoutent. Ce monsieur estime jusqu'à aujourd'hui, si vous l'écoutez,
Il dit que le Bouhari qui gère là, ce n'est pas Bouhari, qu'il faut le dégager, il faut dégager. Que c'est une escroquerie politique à la tête du Nigeria. Rien ne fonctionne. Les jeunes souffrent et c'est son combat. Le même problème que nous avons au Cameroun là, c'est ce qui se passe. Donc ce n'est pas pour rien que la plupart des généraux de l'armée nigérienne sont descendus. Ils avaient une réunion. Il y a une réunion secrète stratégique avec le ministère de la Défense au Cameroun. C'était récent. Parce qu'ils savent très bien que les jours qui viendront seront difficiles pour eux. Et c'est ça qui se projette aujourd'hui. Et Biya a peur de ça. Le régime de Biya, ils ont peur de ça. Ils savent que si leur partenaire, Bouhari, qui les encourageait dans cette mascarade, dans cette escroquerie politique, s'ils tombent, c'est eux qui vont tomber directement. Donc sur le plan géopolitique, c'est très important d'encourager le peuple nigérien de faire renverser ce régime corrompu. Parce que Bouhari, qu'on estimait être quelqu'un d'une certaine vision, un général qui a peut-être fait ses preuves, on estimait qu'il devait mettre au centre de sa gouvernance la rigueur. Mais ça n'a pas été le cas. Tout au contraire, durant sa mandature, il a encore créé des divisions au sein de la société nigérienne. Il a démontré la défaillance de son leadership. Il a démontré même la léthargie de l'homme. Il n'est pas respecté. Il est croulant, il est malade. Il ne décide plus de rien. Bouhari ne décide plus de rien. Il est coincé lui aussi. C'est le même truc. C'est pour ça que il y a une association de mafias et de complices. Où le Cameroun qui vit la même situation, ils sont donc obligés de partir avec ceux du Nigeria. Vous voyez un peu cette relation incestueuse entre ces deux États dans le but de narguer la population. Mais ce qu'ils ont oublié, le Nigeria n'est pas le Cameroun. Les Nigériens ont reçu, ils ont réussi à aller au-delà des tribalités qui existent dans le Nigeria et à comprendre que le problème du Nigeria ne se situe pas dans une ethnie ou bien dans une tribu. C'est un problème qui est général à tous les Nigériens. C'est une revendication propre. C'est pour ça que dans ces revendications portées par la population, vous n'allez pas voir un Haoussa dire que ça ne me concerne pas. Vous n'allez pas voir un Igbo dire que ça ne me concerne pas. Ou bien un Yoruba dire que ça ne le concerne pas. Mais tous ensemble, ils se sont mis au-dessus des tribalités qui existent. Ils se sont dit, il faut libérer le peuple nigérien. Et les artistes, qui aiment souvent raconter, à dire, nous sommes apolitiques. Les artistes nigériens nous donnent l'ultime occasion de faire comprendre. Le fait de dire être apolitique est une fiction juridique. Tous, comme Aristote le disait, pour les grands philosophes, ceux qui ont fait les couloirs académiques, nous on n'a pas fait. Nous, on a fait le code de la rue. Que l'homme est un animal politique. Donc, ça veut dire quoi? Vous le voulez ou pas, vous participez de manière directe ou indirecte à la construction de la politique de votre pays. Parce que vous êtes un objet de la politique. Vous êtes une essence de la politique. Dont les artistes n'ont pas pris des raccourcis en disant je suis apolitique, ça ne me concerne pas. Non. Ils ont compris que dans l'entité peuple, c'est une communauté d'hommes, d'humains, où on identifie toutes les tribus, toutes les régions. Donc ils se sont identifiés à ce peuple.
ils ont dit, nous ne pouvons pas rester silencieux tant que ce peuple pleure. Parce que tout ce qu'on peut raconter, si nous sommes ce que nous sommes, étant star, célébrité, c'est à cause de ce peuple. Si vous n'aviez pas la base, vous ne pouvez pas être respecté sur la dimension internationale. Il vous faut une base. C'est au Cameroun que les gens ne comprennent pas ça. Et j'ai un artiste que j'aimais bien. L'artiste du boivement. Artiste du boivement dit que on ne l'a pas soutenu. Donc il ne peut pas soutenir. Mais de quoi est-ce qu'il parle? You have sense? You have man? Est-ce qu'il a même réfléchi un moment? Les 90% de ton argent, parce que tu as une certaine fierté, que tu fais ton business, mais laisse-moi te dire, les 90% de ton argent, ce n'est pas Paul Biya, ni moi sa famille. En tout cas, Brenda n'aime pas le coin comme ça, tu as vu ce qu'elle aime. Ni les ministres, ni les enfants de ministres, ils ne viendront jamais au boivement. Mais c'est le peuple. Si tu es devenu ce que tu es là, c'est parce que les nous autres, ton chat, ton son là, Malos, les nous autres voyous, nous avons porté ça. Nous avons aimé. On a mis ça haut. Si on ne portait pas ça, tu ne vas être rien. Et tu ne vas pas voir ton boivement. Il faut souvent apprendre à la fermer. Il faut souvent apprendre à la fermer. C'est les jeunes désœuvrés qui ont porté ton histoire, qui ont fait de toi ce que tu es. Mais ce n'est pas ce peuple qui contrôle les manettes du ministère de la Culture. Ce n'est pas ce peuple qui définit la politique, qui doit devoir vendre leur artiste sur le plan international. Non. Ce peuple subit les frasques de ce régime comme toi. Mais écoutez, j'aime ce combat. Parce que ce combat va davantage dévoiler nos amis et nos ennemis. Et je suis de ceux qui pensent. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Dans un non-sens, tu n'as rien dit. Tu n'as pas de base, tu ne peux pas exister. Quand tu attaquais Coco Emilia, les noms qui me donnent des démangeaisons, moi on va dire, parce que nous aussi on est dans l'histoire de Congo, ça. Ça ne laisse personne. Ça ne laisse personne au Congo, ça. Même Jésus. Jésus, un jour, assis dans le jardin de Jéricho, il demanda à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Lui-même, il aimait le Congo, ça. Les aff, nous on aime les affairages. Même Jésus, fils de Dieu, Dieu sur terre, aimait les affairages. Était assis dans le jardin. Il demanda à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il aimait le Congo, ça. Non, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Le Congo, ça existe depuis la nuit des temps. Donc nous, on aime les affairages. On est là, on est là. On suit les affairages. On suit. Et ça nous donne les infos. Jésus, fils de Dieu sur terre, demanda à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Dieu sur terre, aimait les affairages. C'est ça aussi l'humanité. Non, ne cache pas, on aime ça. Si tu es un super homme, si tu te sens costaud, il va avec. Tu n'aimes pas les faux trucs.
Nous, on aime les faux trucs. On se connaît, on regarde, on écoute, on aime ça. Tu nous insultes. On aime ça. Toi, tu es un super homme. Mais curieusement, toi, super. Excusez-moi. Toi, super homme. Curieusement, toi, super homme. Tu nous appelles encore pour demander. Qu'est-ce qui se passe même? Qu'est-ce que Dell a dit? Toi, super homme. C'est ça. On t'a défendu. Donc vous croyez que nous combattons là, que c'est notre chose? Tu crois que quand nous on combat là, c'est que... Tu crois que nous on combat là? Hey, écoute, la multitude de ceux qui combattent ici la diaspora, laisse-moi te dire, ont une stabilité financière. Donc, laisse tes histoires là. Donc, si c'est pour la diaspora là, si la diaspora décide, je dis, mais si la diaspora décide de laisser vos histoires là, elle est bien. Hein? Mais le problème, c'est que la diaspora est attachée à la terre de nos pères. Elle estime que c'est injuste de vivre ces conditions et de ne pas faire profiter les frères. C'est pour ça que quand vous aviez quelqu'un qui sort de la diaspora et vient au pays, vous dites que le pays est doux. Vraiment, je ne peux pas appeler au meurtre de la personne. Mais s'il peut recevoir une bonne claque, c'est le mauvais cœur. C'est la république du mauvais cœur. Si le pays est doux, pourquoi la personne ne reste pas là-bas avec vous? Elle travaille, elle va épargner, elle profite des vacances. Vous ne connaissez pas, au pays là-bas, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle vacances. Vacances est familière à vous parce que l'orthographe vacances existe. Mais si on vous dit description vacances, la plupart des Camerounais vont bégayer parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle vacances. Et quand un Camerounais te parle de vacances, j'étais au village avec la grand-mère. Nous, ce n'est pas les vacances. C'est normal d'être au village avec grand-mère. Mais quand on parle vacances, ça a un sens profond. Donc quand ils se déplacent, ils viennent au pays. Ils ont un budget, ils ont économisé. Ils vivent, ils jouent au costaud devant vous. Et vous êtes là pour faire des Amalek. Vous les appelez Bosprési, ils adorent. Après, ils vous disent le pays est doux. Mais après 3 semaines, ils disparaissent. Ils reviennent ici. Pour goûter le miel et le fruit et le plaisir. Bon, on vous trompe. Si quelqu'un vient au pays et te dit ça, c'est qu'il est. Il a un mauvais cœur. C'est pour ça que je ne vais jamais comprendre. Je dis que je ne vais jamais comprendre et accepter le combat de soi-disant les patriotes qui disent soutenir le président. C'est faux. Et les éléments, les preuves que nous avions à notre perception prouvent qu'ils ne sont pas patriotes en vertu du fait qu'ils aiment le Cameroun. Mais c'est en vertu de que les gars veulent satisfaire les réclamations stomacales. Ils ont tellement faim. Donc le peuple qu'ils ont ici veut avoir ça pour eux. C'est du mauvais cœur. Mais, oh, vous avez d'autres Camerounais qui ont des propositions chaque jour, mais qui refusent ces propositions et leur disent, il ne s'agit pas de notre personne. Il ne s'agit pas. Moi j'ai souvent une réponse. Et la seule réponse de dire à ces gens, quand ils me convoient, Stéphane, tu veux y être? J'ai dit, écoutez, il ne s'agit pas de ma petite personne. Moi, à mon niveau, de Stéphane Tchoumbou, j'ai dépassé, je me suis fait violence sur les besoins physiologiques. J'ai dépassé cela. Je ne définis pas ma vie sur la dimension matérielle. Je la définis autre. Le plus important, si vous voulez donc corrompre Stéphane, la seule correction qui passe avec moi, écoutez le peuple. Écoutez le peuple. Ce que vous voulez donner à Stéphane, aidez le peuple. Avec ça, là nous allons vous soutenir. Mais comme ils ne peuvent pas, comme ils ne pourront jamais le faire, parce que c'est des gens qui estiment qu'il faut toujours des gens comme vous, des pauvres comme vous, pour acclamer leur richesse, pour être content. C'est pour ça qu'ils vous laisseront dans cette condition de précarité, que vous ne goûtez pas aussi au bonheur, au bien-être. Mais nous, on ne sait pas que ne serait-ce que le minimum. Parce que dans mon discours,
je ne vais pas aussi être très optimiste. Mon discours ou bien mon combat n'est pas de transformer les Camerounais en riches. Non, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. C'est une vérité. Même ici, dans ces pays européens que nous sommes, il existe des riches et des pauvres. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas admettre que les gens meurent parce qu'ils n'ont pas pu satisfaire les besoins fondamentaux. C'est inconcevable. C'est indécent. Sur le plan humain, c'est inacceptable. C'est réducteur. Que quelqu'un puisse mourir parce qu'il lui a manqué de lui administrer un soin qui coûte 5000 francs. Il va devoir disparaître de la surface de la terre. Nous nous battons pour ça. Que vous ayez ce minimum. Que lorsque vous aviez les maux de tête, vous ne criez pas « Jésus, bien le Saint-Esprit, vient me guérir ». Non. Ou bien vous prenez les eaux bénies des pasteurs qui font du commerce, du mensonge et du banditisme et de l'escroquerie. Que lorsque vous aviez mal à la tête, vous prenez de l'aspirine fabriquée par nos experts. Parce que cette formule existe. Et c'est le basique. Pour un biochimiste, fabriquer de l'aspirine. Que vous ne priez pas Jésus ou bien invoquez le sang de Jésus pour vous guérir. Il faut cesser avec ces histoires qui ralentissent nos contrées. Il faut savoir qu'en tant qu'humain, que lorsqu'il y a des choses qui se présentent à nous sur la dimension humaine, nous devons les solutionner par les mécanismes humains à notre possession. Et lorsque vous suscitez l'intervention surnaturelle, pour que le surnaturel n'intervienne à vous, il faut de voir que le surnaturel se rassure que les éléments naturels que vous aviez en votre possession sont épuisés. C'est pour ça que vous pouvez avoir un miracle ou bien surnaturel intervenir. C'est ça la démarche. Voilà pourquoi on se bat. Que vous vous sentiez bien. On ne se bat pas pour les gens qui estiment qu'ils aiment tellement Paul Biya. Comme eux là. Après, ils partent demander se bagarrer, se lancer des invectives entre eux. Tu m'as pas donné l'argent. On a donné ceci. Le DLC s'est envoyé comme ça. L'ambassadeur a pris ceci. Chacun. Après, vous dites vous êtes des patriotes. Mais la vérité se fera. Sera su un jour. Mais ce mouvement qui a été lancé, c'est un mouvement salué. Parce qu'aujourd'hui, les lignes bougent. Tous les artistes africains. C'est indigne d'avantage. Au Cameroun, ça a pris. Et nous avons toujours cette certitude que les choses, vous ne voulez pas. Enfermez Kamto. Mettez dans une cage. Mais le vent de la révolution ne pourra plus être stoppé. Vous voulez vous le tuer. Mais personne ne va arrêter le vent de la révolution qui est lancé. Il faudra du temps pour comprendre. Il a de l'avance. Aujourd'hui, les plus sceptiques, les artistes qui jouent au costaud, sont en train de rejoindre les événements. Et bientôt, il y a certains qui vont dire ça gâte, ça t'est, trop c'est trop. Ça vient, ça se produit. Nous devons saluer les artistes nigériens parce qu'ils ont donné le ton. Ce n'est pas seulement en Afrique, ce n'est pas seulement au Nigeria. Ça a pris tous les pays. Et il faut comprendre que l'Afrique subsaharienne est en train de vivre un printemps. Je m'excuse. Nous sommes en train de vivre un printemps. Il y a des événements qui amènent aujourd'hui les puissances à comprendre qu'il y a obligation de changer de stratégie. Je ne vais pas entrer dans des détails. Nous avons des piliers sur le plan diplomatique qui sont tombés, qui estiment qu'il faut changer la donne. Et c'est ce qui se passe. Dans tous ces contrées. Il y a des puissances qui estiment que finalement il faut laisser ses opposants s'exprimer. Il faut s'adapter à la nouvelle mouvance qui s'oppose à nos contrées. C'est pour ça que le ton est donné.
ça va prendre. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ils tremblent partout. Parce que c'est en train de prendre. Ils savent très bien. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Les artistes sont en train de dire. Hein? Crise anglophone. Au Cameroun. Oh, nous leur avons rappelé ça depuis 2018. D'autres joueurs costauds. Mais ils vont rejoindre. Mais n'insultons pas. Quand ils viennent à nous, n'insultons pas. Il ne se fait pas tard. C'est l'idiot qui ne change pas. Même si c'est la dernière minute, on va accepter. Parce que c'est notre but. C'est de leur faire comprendre qu'il faut rejoindre le combat. Même si c'est la dernière minute, on accepte. Mais c'est bien, parce que le temps est donné. Beaucoup sont en train, les lignes bougent déjà. Et le régime tremble. Donc c'est pour ça que les zones que le régime ne peut bien, ils ne peuvent pas atteindre 2025. C'est impossible, c'est une certitude mathématique. C'est impossible. C'est impossible qu'ils arrivent à 2000. Ils ne peuvent pas, c'est impossible. Ils font n'importe quoi. Qui montre les faux profils? Maintenant, ils ont des faux profils spécialisés dans les invectives. Racontez-lui. Mais ces faux profils ne vont jamais vous restituer le bilan de 38 ans de Paul Biya. Jamais. Ils sont dans, ils vont vous distraire des vraies questions de développement, de l'échec de ce régime. Vous amener dans les commentaires des bars, des cafés et des bénétariats. Pour vous distraire. On va utiliser des trucs pour vous dissuader ceux qui n'ont pas la conviction. Mettez même les adresses. Sortez tout. Balancez, moi, ce qui me concerne, tout. Ça ne va jamais m'empêcher ou même me reculer dans ce combat. Parce qu'il est juste, il est noble. Et rien. J'ai cette mentale, ce mental de boxeur qui donne des coups et qui en reçoit. Et le plus important pour moi, c'est d'avancer, d'atteindre le but. Donc vous ne pouvez rien. Donc ce que vous faites, c'est des salades de café de commerce. Ça ne peut pas nous atteindre. Mais c'est parce que vous êtes conscient. Parce que si on n'était rien, si on n'avait rien fait, nous, de la République de Facebook, dont vous évoquez, mais la République de Facebook a fait tellement des avancées. Votre pays est devenu insolvable. L'un des pays les plus corrompus, insolvable. Mendiant systémique à l'international. C'est grave. Même vos amis, vos cops, les Français, refusent de vous donner des sous. Démon de la gestion, c'est vous au Cameroun. Même vos amis vous lâchent. Et je tiens à vous dire, la France a reculé. Maintenant, la France est dans celui qui gagne, gagne. C'est grave. Et c'est pour ça que je suis fier du peuple. De la résistance. Nous avons résisté. Nous avons tenu. Et ils sont en train de comprendre qu'ils sont obligés d'écouter le peuple. Et je suis fier parce qu'il y a un véritable recul. Et c'est parce que sur le plan diplomatique, les choses ont avancé que nous vous rassurions. Je vois des gens batailler sur la toile. Quand on sera emprisonné, on va le déférer. C'est du fake, c'est du mensonge. Et je peux vous expliquer d'où ça sort, ces conneries-là. Et c'est un problème d'ego. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais c'est un problème d'ego. Il ne faut pas pondre des fake news pour satisfaire certaines de vos informations. Mais je ne vais pas entrer dans ces émettives. Je connais où ça sort. Je connais l'origine. Et je sais pourquoi c'est sorti cette information. Il faut arrêter de stresser le peuple du combat. Si les gens posent les actes, si vous ne êtes pas d'accord, vous restez tranquille. Vous la bouclez, vous la fermez. Aussi simple. On ne peut pas être d'accord sur tout. Mais maintenant, tu ne peux pas combattre ce que... Hein? Ce qui a pu avancer au combat. On n'attaque pas les frères. On n'attaque pas les frères comme ça. Non. Si ça bouge les lignes, si ça fait avancer les trucs, même sur le plan symbolique ou bien de la communication, ça fait avancer. Même si on n'est pas d'accord, on se tait. Même si on sait la duplicité... Et on sait l'orientation, la manipulation qu'il y a derrière. Non, on applaudit quand même. Non, on salue le geste. Mais maintenant, on sait le banditisme qui est derrière. Mais ça ne nous demande pas d'attaquer ou bien de lâcher à la vindicte. C'est aussi la cohérence de notre combat. Il y a quelqu'un qui a rencontré Kamto. Je ne sais pas son nom, une dame qui a fait un rapport sur Internet qui disait que Kamto demandait
qu'on ne s'inquiète pas pour lui. Mais tout ce qu'il demande, qu'il refuse qu'on s'invective entre nous combattants. Si vous estimez que c'est un combat noble pour vous, ils sont en train d'organiser tout pour nous fragiliser. Maintenant, si nous, à l'intérieur, on commence à se diviser, à qui ça va profiter? Donc, il faut soutenir, il faut encourager. Même si on a, foncièrement, nous avons des divergences. Mais là, que la situation avance, ne pas pondre des faux. Quand on n'ira pas en prison, il n'y a rien. Que Yaoundé a fait, c'est, non, c'est un fake. Je vous confirme, c'est un fake. Il n'y a rien, c'est un fake. Je ne vais pas seulement entrer dans les détails, mais dans la profondeur. Hein? Je protège. Je ne vais pas attaquer des amis. Non, garde seulement. C'est un fake. Ils ne peuvent pas parce que même les amis de ce régime leur ont dit n'aboutissez pas. Et je tiens à vous rappeler, quand ils descendent, le premier jour qu'ils descendent chez le président, élu Maurice Kamto, il n'y avait aucune vocation. Ce n'était pas dans le but de venir l'assigner à résidence. Non. Ils venaient le déporter pour une destination inconnue, le torturer, le bastonner et l'enfermer. On voulait exercer cette brutalité envers la personne de Kamto. Qu'il se taise, qu'il est qui pour parler. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas vous expliquer qui ont bousculé. Même leurs amis leur ont dit, arrêtez ça. Et chaque jour, ils ont la pression. Parce qu'il y a des gens qui estiment, lorsque vous n'aviez pas des informations, je vois des gens pleurnicher, pleurer. Ah, mais comme tu es ce machin. Écoutez. Vous allez comprendre un jour le sens de son combat. Vous croyez que Kamto ne peut pas passer le mot d'ordre pour une mobilisation générale? Vous croyez que. Je vois des gens. Certaines personnes m'amusent. Excusez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Écoutez. Il y a des gens qui m'amusent. Des gens disent que quand tu es là, on ne veut pas. Oui, la population qui dit qu'il a écouté. Il aime tellement son peuple. Je vous donne l'information. Il y a des gens qui ont voulu se mobiliser. Pour aller chez Kamto a dit, je ne veux pas que vous entrez dans une logique de confrontation avec les forces de l'ordre. Calmez-vous. Et je tiens à vous rappeler que ce monsieur est tellement aimé. Ce n'est même plus le cadre de l'amour. Il est même divinisé par certains Camerounais. Vous avez vu une femme se déshabiller. Il est tellement divinisé parce que des gens estiment qu'on a plus qualité de Camerounais comme Maurice Kamto pour pouvoir porter un tel combat sans avoir à se compromettre. Rester cohérent, écouter le peuple. Donc si ce monsieur, tant je dis même à l'instant T, si Maurice Kamto demande, j'appelle le peuple camerounais de me libérer, vous allez voir des gens se mobiliser pour le chez lui. Ce n'est pas pour rien que le régime de Yaoundé déploie toute cette armée. Parce qu'ils savent la capacité de mobilisation aujourd'hui de cet homme. Et c'est ça, s'il fait un tweet, j'appelle à la mobilisation du peuple camerounais, ça va se faire dans les instants qui suivent. Les esprits mal éclairés au parc qui ne comprennent pas ça, qui ne peuvent pas comprendre la dimension. Je tiens à vous rappeler que c'est lui qui demande, qui insiste de se calmer. Pourquoi? Parce qu'il a la clé, il a la solution. Il estime qu'il ne va pas déployer toute son énergie contre ces soldats qui sont aussi les Camerounais, victimes de ce régime. Il ne va pas aller dans cette logique de confrontation. Donc lui, il a surfé sur d'autres piliers que vous et moi, nous ne voyons pas, mais qui avancent. Et c'est ces piliers-là qui ont fait en sorte qu'ils ne peuvent pas le déporter. Ils ne peuvent pas. Et dernièrement, le dispositif qu'ils avaient mis, le nombre, avait diminué. Parce qu'ils ne veulent pas le laisser maintenant, parce qu'ils se disent que s'ils le laissent maintenant, c'est la pression. On verra à la face du monde, le monde et les Camerounais verront que le régime est fragile. Ils ont décidé d'aller tout doucement. Mais il sera libéré. Ils vont le laisser.
et hier. Vous avez donc une délégation du MRC qui décide de rencontrer le président élu Maurice Kamto. C'est normal. Ils ont fait toutes les démarches pour y arriver. Mais curieusement, ils viennent. C'est une visite. C'est le guide de la révolution. C'est le président national du MRC. Et c'est celui voté par le peuple camerounais. Ils ont pris des aliments parce qu'ils estiment que ce monsieur est dans une privation. Et je tiens à vous donner l'information. Sa femme sort. La femme du président élu, peut-être vous n'avez pas cette information. Madame Julie Kamto, courage. Mais elle sort, elle a permission. Donc elle fait les allées. Il ne met pas de feu. Elle sort. Elle fait les courses, etc. Donc ils ont décidé. Les gars bloquent. Ils empêchent. Mais hier, vous avez vu. Kamto est sorti chez lui. Il explique. Écoutez, c'est injuste de venir me présenter des aliments, des paquets. Et vous ne me permettez pas de remercier, d'exprimer ma gratitude envers ces dames, ces hommes, ces personnes qui sont venues à ma rencontre. Je suis ici devant vous, pas pour réclamer ces aliments, je n'en ai qu'à foutre avec ça. Mais je suis venu ici pour vous rappeler encore le droit. Quel est l'élément juridique et le grief qu'on me reproche pour que je ne puisse être assigné, séquestré chez moi? Et d'un ton incroyable. Les VAPS, parce que nous on aime le JAPAP. Donc les gars qui nous remontent dans les JAPAP, le JAPAP d'à côté, les gars nous disent que tu avais des policiers qui admiraient, qui divinisait l'homme. D'autres ont même voulu prendre le selfie, un selfie, des selfies, avec un homme providentiel, un charisme. Même les policiers qui étaient là pour l'enseigner, d'autres dans leur cœur. Vraiment, on fait même ça comme ça pour bien méchant. Oui, voilà vraiment le président en face. Regardez la simplicité de cet homme. Kamto dit à ce petit commissionnaire du père de la police, je n'ai rien à foutre. Donnez ça, vous partagez à vos éléments, parce que c'est eux qui souffrent du froid et de la chaleur étant chez moi. Allez avec. Charismatique, prêt dans sa tête. Prêt pour le combat. Il a franchi sa barrière. Parce que les gens estimaient qu'il est craintif, qu'ils ne peuvent pas. Quand on s'engage en politique, on est prêt à tout affronter. Il a démontré que s'il pouvait même aller à une confrontation, il pouvait le faire. Il n'a besoin de personne. Mais parce qu'il est pris de paix et de justice, il a laissé les choses faire. Vous allez le pleurer un jour. Vous allez le regretter. Ce grand homme, Maurice Kamto. Que vous l'aimiez ou l'aimiez pas, on s'en fout. Mais il a refait l'histoire de ce pays. Il a écrit une autre histoire. Quand on parle aujourd'hui du Cameroun, la joie que j'ai dans le cœur, on ne parle plus de certains artistes rentemplats, tant sur le plan footballistique et que sur le plan de la musique. Mais quand on parle du Cameroun, le Cameroun de Maurice Kamto. Et ça nous fait du bien. Ça nous rassure. Parce que finalement, nous sommes confortés que le bien sera toujours déçu du mal. Parce que la justice triomphera toujours devant l'injustice. Et ça nous rassure. C'est pour ça que le choix de notre soutien, il est un choix profond. Il n'est pas un choix calqué sur le tribalisme, parce que nous n'avons pas la conception
de notre République de conception villageoise. C'est une conception des principes, des hommes intègres et de valeurs. Et lui, il incarne cela. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui dans le commentaire, « Ok, je te concède cela. » Qui disait, « Oui, toi, tu soutiens machin, truc, parce que c'est calme. » Je lui dis, « Ok, tu veux déstabiliser le pays parce que tu soutiens comme des trucs comme ça. » Les conneries. Je lui dis, « Ok, je te concède même que tu n'aimes même pas Kamto, qui n'est pas intéressant. Propose-moi autre chose au Cameroun. Je t'invite juste à me proposer autre chose en dehors de Kamto. Moi aussi, je vais suivre. Mais dans cette conditionnalité de proposition, j'aimerais avoir quelqu'un d'intègre, sans duplicité de personnage, de personnalité, pardon. Aucune proposition jusqu'à l'heure d'aujourd'hui n'est faite. Lui-même, il est conscient que la plupart sont des rentre-plans politiques. Mais parce qu'il est dans un tribalisme primaire, il refuse de porter et de soutenir ce combat. Hier, j'ai un ami qui m'appelle qui est au pays. Il me raconte toute une histoire. Il me dit, Stéphane, vraiment, les gens ne soutiennent pas Kamto. Parce que vraiment, vous faites ceci à cause de vous, machin. J'ai dit, ok. Je lui ai posé la question. Est-ce que ce que Kamto dit est vrai? Il me dit oui. Est-ce que le combat que Kamto porte aujourd'hui est un combat juste? Il me dit oui. Je lui demande. Est-ce que c'est les gens qui sont autour de Kamto qui font les convictions de Kamto? Non. Je lui dis, c'est une malhonnêteté de ta part. Si moi qui te parle, je regardais juste à l'entourage de Kamto, je devais vomir, je n'avais jamais apporté mon soutien. Pas que l'entourage seulement pourri, hein. Il y a de très belles personnes autour de Kamto. Mais aussi des gens qui nous donnent de la nausée. Mais c'est un autre débat. Mais je lui dis, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de suivre ou bien de porter parce qu'il porte un truc. Qu'est-ce qui t'empêche? Il commence à balbutier. Il n'a aucun argument. Je lui dis, je vais t'aider. C'est que tu es juste noyé dans le sentiment tribal qui est porté aujourd'hui. Tu es victime. Tes parents, tes proches t'ont fait croire qu'un Bamileke ayant le pouvoir politique va décimer les autres peuples. Un homme se mesure par la valeur intrinsèque qu'il regorge. Va partout. Reprend la trajectoire de l'homme Kamto jusqu'à aujourd'hui. Tu comprendras qu'il n'y a aucune contradiction. Il a toujours aimé le peuple. Il peut t'expliquer, même ce qui est souvent incompris, ce que les gens veulent le poser comme une véritable contradiction dans sa trajectoire politique, il vous explique. Même son passage dans le gouvernement, il t'explique avec argument le pourquoi. Donc mon frère, si tu estimes qu'il porte des valeurs, suis-le. Et viens donc nettoyer l'environnement de Kamto. Tu leur dis que non, j'estime. Parce qu'on n'aurait pas toujours des belles personnes. Il y a toujours les bébés galeux dans toute organisation. Et c'est le fait de toute organisation, on ne peut pas contrôler. Chacun vient avec sa personnalité. Mais ne venez pas dire que Maurice Kamto prend le Bami Power. C'est faux. Ce n'est jamais sa vision. Et ceux qui le connaissent, les gens qui le soutiennent, que le pauvre, vous avez écouté le bâtonnier. Il dit très bien qu'il est fils Sawa de père et de mère. Mais il a pris l'option de soutenir Kamto. Ce n'est pas parce que Kamto... Non, il dit qu'il suit Kamto à cause de l'intégrité et de la valeur intrinsèque qu'il porte. Et c'est ce Cameroun-là que nous nous battons. Vous croyez qu'on se bat pour que dans ce Cameroun-là, on vient reproduire les mêmes biens. On va vous égorger. Jamais. Il a disparu. Il a dit, donc si tu penses que Kamto est juste, si tu ne veux pas le soutenir, c'est ton droit le plus absolu. Tu ne le soutiens pas. Mais ne viens pas raconter. Ne te donne pas, parce que la plupart du temps, la multitude se donne une raison. C'est à cause de vous qu'on ne soutient pas Kamto. Vous croyez que vous êtes plus malin que nous autres. Vous mentez. Le vrai problème, c'est que Kamto est Bamileke pour vous. C'est tout. C'est tout. C'est pour ça. Et on vous a emballé dans cette histoire de Bami.
Et c'est la logique que vous êtes tombé dans ce piège. La détestation de l'homme amniqué. Pour rien et gratuitement. Mais c'est le combat. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui estiment que tout Camerounais, de par son appartenance, a le droit de goûter à la magistrature suprême. Si c'est Kamto que la Providence a décidé, nous allons le soutenir, qui a et qui le soumette. On doit l'accompagner. Nous n'aurons plus jamais un tel homme. Dans un débat télévisé, Maurice Kamto, je vais sortir par là. Écoutez, je vous ai dit, je ne pourrais plus faire de direct sans parler de la personne de Kamto. Si vous estimez que c'est une divination de sa personne, tant mieux, ou bien c'est le culte de sa personne, je suis désolé. De l'histoire de l'humanité, il y a toujours les hommes qui incarnent les révolutions. Chaque pays a un homme, un héros, en qui on donne toutes les honneurs. Ce n'est pas le culte de la personne. Ce n'est pas une divination, ce n'est pas un culte. Lorsqu'on célèbre quelqu'un, parce que lorsqu'on parle de divination, quand on dit que c'est un culte, culte veut dire que il y a des éléments sur lesquels il faut s'appuyer pour faire le culte. Donc quand tu dis que je fais le culte de la personne, ça veut dire qu'il faut que je fasse les louanges, je fasse les offrandes, la messe, les adorations, hein, les encens, les trucs, pour faire un culte. C'est pour ça que quand je veux pas prendre le ticket des gens qui vont aller au paradis, il y a des gens qui disent que les Bamlegués font le culte des crânes. Non, ce n'est pas un culte. Parce qu'un culte suscite qu'il y a des adorations. Non. Ce n'est pas un culte. Parce que le culte, ça suppose qu'il faut faire des adorations, la louange, des offrandes, etc. Non. Quand le Bamlegué part devant ses ancêtres, il ne fait pas une adoration. Il ne fait pas des louanges. Il ne fait pas tout un cérémonial. Non. Donc nous ne divinisons pas la personne de Kamto. Donc quand nous on prie nos ancêtres, c'est ce que les autres font. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, c'est comme ça. Est-ce qu'ils ont divinisé Abraham? Mais c'est ce qu'ils estiment, que ce sont des égrégores qui ont traversé la dimension matérielle pour une dimension immatérielle. Et qui peuvent jouer un rôle très important. Ça, c'est une autre dimension. Donc, nous, on va faire des gens, on va parler de lui. Que ça plaise ou non. Parce que dans chaque révolution, il faut toujours quelqu'un qui l'incarne. Et pour le cas du Cameroun, la seule personne qui l'incarne, c'est Maurice Kamto. Et il faut parler de lui. Mais ce qui me plaît de cette personne, là où il casse nos contradicteurs, dans un débat télévisé, face à Ekos, je vous invite à savourer de temps en temps. Quand vous aimez quelqu'un, un leader, il faut l'écouter, il faut le suivre. Ça vous bâtit, ça vous renforce, et vous comprenez. Parce qu'il a expliqué ces choses qui nous arrivent. Mais dans un débat, pas un débat, dans une interview, face à la vérité, c'est une question de décision stratégique d'un parti. Nous faisons le journaliste que vous aimez le plus. Demande à Maurice Kamto. Nous faisons le demande au président élu. Sur des questions, des décisions stratégiques du parti. Cédric nous ferait dire, n'aviez-vous pas sacrifié les ambitions de certains de vos camarades qui espéraient être députés, maires, conseillers municipaux? Kamto qui répond.
Mes camarades doivent comprendre que nous avons créé notre parti, notre mouvement, pour impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle république dans notre société. Je peux comprendre la frustration de plusieurs. Mais en tant que parti, vu les statistiques et les éléments et la mouvance actuelle qui peuvent nous donner des postes de 50, 40 députés, qui peuvent nous donner une véritable surface sur le plan politique et même nous en faire bénéficier du financement public. Mais tout ceci n'aura rien changé sur la condition des Camerounais qui souffrent chaque jour. Monsieur Noufélé, j'ai envie de vous dire ceci. Que mon engagement en politique, je me suis engagé pour le peuple camerounais, pour ce petit que j'ai vu au parc de Boisa, en train de boire de l'eau dans un flac d'eau. Je me bats pour que les conditions des Camerounais soient améliorées. Et je tiens à vous dire, comme confidence, croyez-vous que je suis né étant inscrit sur mon front président? Dans ce combat, je me bats pour que triomphent mes idées. Et je ne pourrai jamais transférer nos combats aux générations futures. This is Maurice Kamto. Comprenez la profondeur. Kamto dit qu'il sait que cette décision stratégique au sein du parti est une blessure pour la plupart des camarades. Et il dit à ses camarades, je peux comprendre votre frustration. Je sais que la mouvance actuelle nous donne une bonne posture de gagner des sièges. On peut avoir 40, 50 sièges, gagner des communes. Mais est-ce que ça va changer la condition des Camerounais? Je ne pense pas. Nous avons créé notre parti pour impulser une dynamique nouvelle, une république nouvelle, une société nouvelle. Je me suis engagé en politique pour le peuple camerounais. Et cet engagement, c'est pour le peuple. Quand je vois au parc, quand j'ai vu au parc de Ouaza, ce petit boit de l'eau dans un flac d'eau, je me bats pour que les conditions soient améliorées. Je peux vous dire, je peux vous faire cette confidence. Il n'est pas inscrit sur mon front, président. Je me bats pour que triomphent mes idées. Et si d'ailleurs, ces idées triomphent, j'en serai fier. Donc, je ne peux pas léguer ou bien transférer nos combats aux générations futures, alors que nous devons les faire aujourd'hui. Voilà pourquoi Maurice Kamto se combat. Il dit que dans cette dynamique, il combat parce qu'il estime qu'il faut que les Camerounais aient une condition. C'est pour ça qu'il accepte cette privation de liberté. Il accepte ces conditions de séquestration. Il accepte ces conditions d'humiliation. Parce qu'un jour, il voudrait que le peuple camerounais comprenne et sache. Pendant 38 ans, ils ont été enfermés. Ils n'avaient aucune possibilité de penser autre que Paul Biya. Mais cet homme a réussi à démontrer aux Camerounais
qu'on peut aussi s'en passer du régime Biya. Et c'est ça le sens de son combat. Et je suis content parce que, tant sur le plan national qu'international, il y a une mobilisation véritable pour que les choses se concrétisent. Et ce monsieur-là dit que son combat sera sur le socle de la paix. Et il va le faire. Donc pour ceux qui sont très sceptiques, qui veulent analyser de manière visuelle les choses qui se passent au Cameroun, je tiens à vous rassurer ce soir. Même dans le silence exprime des soupirs. Le silence émet des vœux. Le silence fait un travail de fond qui est souvent très intéressant que le travail que nous voyons qui est visible. Beaucoup peuvent croire que Maurice Kamto a signé à résidence est la fin du combat. L'homme décapité. Mais ce qu'ils ne vous diront pas, tandis qu'il est chez lui, il fait bouger les lignes, tant sur le plan national qu'international. C'est parce qu'il avait étudié ce régime. Et je dis bien, personne. Je bloque quelqu'un, excusez-moi. Vous savez, quand on dit des vérités, ça, il y a d'autres qui sont dans la démangeaison, qui ont des démangeaisons. Personne ne pourrait avoir cette épaisseur pour affronter ce régime. Il a su étudier ce régime et il sait comment il est en train de faire. Et des éléments nous amènent. J'ai eu le privilège de lire. On m'a envoyé, le canard enchaîné a fait un truc. Le canard enchaîné dit... En fait, je vais paraphraser. Que les oppositions africaines actuelles sont en train de changer la politique française. Et le nom de Maurice Kamto est sorti. Et pour Kamto, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que la démarche de Kamto a suscité l'émoi de la France. Vous allez le comprendre un jour. Kamto a dit c'est dans la tête. Et vous le saurez un jour. Soyez fiers d'être de la résistance. On va le célébrer au Cameroun. On va danser au Cameroun. On va le célébrer. Et la mouvance est en train de se reconstruire. Les données sur lesquelles nous on ne pensait pas sont en train de se replier. Beaucoup sont en train de rejoindre. Ils seront obligés de... Qu'on le veut ou pas, ils seront obligés d'affronter le peuple. Et beaucoup d'experts le disent. Le Cameroun, nous ne pourrions plus accepter cet état de choses. Qui le veut ou pas, qu'il déploie tout l'arsenal répressif, qui n'est plus dissuasif pour le peuple camerounais. Parce que le 22 a démontré le degré de violence et de brutalité. Et les jours qui arriveront, vous n'auriez plus des hommes pacifistes que vous croyez toujours avoir, mais vous auriez des nouveaux hommes qui penseront autrement, qu'on le veut ou pas. Mais vous allez disparaître. Vraiment, portez-vous bien. Continuez de soutenir. Les choses avancent. Quand on n'a rien, il ne sera pas déporté, il ne sera pas condamné. C'est du fake, plus fake, c'est n'importe quoi. Il est bien. Il se porte bien. Il a un mental de dinosaure. Et ça avance les choses. Qu'on se moque de vous. Mais il a mis au service de la politique de l'intelligence. Et quand je parle d'intelligence, c'est l'intelligence politique. Et il sait comment. Il va détruire ce régime. Et nous allons reconstruire notre pays qui nous est cher. Portez-vous bien. Bonne soirée.